Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, bienvenue dans ce deuxième vlog, je crois que c'est le deuxième vlog Ramadan, ou troisième, quelque chose comme ça. Donc voilà, aujourd'hui je vous emmène avec moi à un ftour. On est invité avec des amis sans enfants cette fois-ci. Et donc on va aller découvrir ça ensemble. Je vais vous montrer aussi ma tenue. Donc niveau jour, enfin, on est samedi, hein, on est samedi soir. Il est bientôt 19h puisque ici à Singapour, le Maghreb est à 19h05, non, 19h10, pardon. Je vous ai posé la question à quelle heure le Maghreb est chez vous, et il y avait un peu de tout, mais c'est vrai qu'ici c'est assez tôt, on n'a pas à se plaindre. Donc voilà, c'est parti, on va aller ensemble découvrir ce petit ftour puisque c'est dans un restaurant. J'ai pas vlogué le début de la journée parce que franchement ça a été une journée galère, sincèrement. Enfin galère entre guillemets, on avait pas mal de choses à aller chercher à droite à gauche. Donc du coup voilà, on n'a pas arrêté de la journée. Et voilà, je voulais vous montrer un peu le bazar Ramadan, le bazar qui a lieu ici à Singapour durant le mois de Ramadan. Mais il a commencé à pleuvoir à verse. Donc voilà, ça fera l'objet d'une autre vidéo, en sachant que je vous avais vlogué l'année dernière ce bazar. C'est un bazar gigantesque et c'est vrai que l'ambiance elle est assez spéciale. On n'a pas l'impression d'être à Singapour mais plutôt en Malaisie, puisque c'est un bazar qui se passe dans un quartier malaisien. Et il y a vraiment de tout, que ce soit de la nourriture, vous voyez les vêtements pour notamment la fête de l'Aïd. Il y a vraiment de tout, c'est un bazar gigantesque qui dure un mois et c'est vraiment plein le soir et le week-end. Il y a beaucoup de familles qui sortent le soir manger à l'extérieur ou tout simplement se promener, et c'est vrai que ça donne vraiment une ambiance, surtout que c'est super bien décoré. Il y a plein de lumières, on se croirait un peu, enfin on dirait Noël chez nous, sauf que c'est pas Noël, c'est Hari Raya. Mais Hari Raya, chaque fois je dis Hari Raya mais c'est Hari Raya, c'est pas Haya Badha. Bref, donc je vous filmerai ça dans un autre vlog prochainement. Et donc là on s'en va. Donc le ftour c'est où Ahmed déjà? Orchid. Ça c'est dans un hôtel? En fait on est invité dans le restaurant d'un hôtel. Et c'est un ftour spécial Ramadan. Donc je voulais partager un petit peu tout ça avec vous. Je sais que vous aimez bien les vlogs Ramadan et que je vous ai dit que cette année j'allais pas autant vlogger que l'année dernière. Mais donc je me suis dit pourquoi pas vous montrer un peu tout ça. Donc c'est parti. Ok, il est temps d'aller prier. Ils ont fait un petit coin ici où on peut aller prier. Recoucou, donc voilà, on voit pas trop bien, mais je vais faire la conclusion. Donc en gros, il est 22h, on a dîné, c'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa, sauf qu'il y avait une chanteuse. Et un chanteur et une chanteuse, ils étaient deux. Et non, c'était le mec qui... Mais non, il y en avait deux. Il y avait le mec qui faisait le piano ou je sais pas trop quoi, et la femme qui chantait. Et franchement, ils chantaient trop fort. Et du coup, on s'entendait pas quand on parlait. Et finalement, on a terminé la soirée, pas à l'extérieur, mais il y avait des tables à l'extérieur. Donc on s'est mis à l'extérieur pour pouvoir parler tranquillement. Mais sinon, c'était vraiment sympa. Voilà, c'était vraiment sympa. Il y avait énormément de monde. Et voilà, c'était vraiment sympa. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce petit vlog Ramadan vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas de vous, j'allais dire subscribe, de me rejoindre si ce n'est pas déjà fait, donc sur YouTube. On est bientôt 100 000. Vraiment, bientôt. Je crois que pendant le mois de Ramadan, on y sera. Et n'oubliez pas de me suivre aussi sur Snapchat, Hasna B Snap, et sur Instagram, Hasna Hijab Style. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye bye.